Hey, salut à tous les amis, c'est les Rastragos et bienvenue sur Elite Dangerous Horizon. Bon, comme vous voyez là, je viens de trouver. Ça y est, ça a réussi à me déterminer un itinéraire parce que bon, voilà quoi, je vous ai dit, il y a plein de fils et tout, je sais pas, ça, il y a l'air d'y avoir des trucs, des systèmes un peu isolés, tout ça. Mais regardez-moi cet enchevêtrement, c'est n'importe quoi. Et apparemment, ça m'aurait trouvé un bon itinéraire pour arriver jusqu'à Hashima et Gunoval. Ça a l'air de se trouver plus haut là dans ce plan-là. Donc bon, vous voyez que ça va quand même être un assez long voyage, hein. Je veux dire, apparemment, c'est, je sais pas comment on peut dire ça, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de trucs de voies rapides, hein. C'est plus des détours qu'il faut faire, etc. J'ai l'impression que c'est une espèce de carte routière, très très mal faite, un réseau routier très mal fait. Pourquoi il n'y aurait pas justement un passage direct comme ça? Aucune idée, mais bon. Voilà quoi, ça va nous faire un beau petit trajet. Ça va nous faire un beau petit trajet. Et ouais. Apparemment, il va falloir que je retourne à Ménam. Ménambe, ouais. Et puis bon, j'imagine également qu'il faudra que je refasse le plein à mi-parcours parce que ouais, j'ai le carburant qui est pas non plus au beau fixe, donc il faudra certainement qu'on se gare quelque part. On va déjà essayer de faire le saut qui va nous ramener à Ménambe. Hop. Ouais, et après on verra le prochain saut. Où c'est que qu'il faudra aller. Hop. Allez, vas-y. Hop, bien sûr, il faut que j'accélère. Sinon, ça me fera pas passer en vitesse lumière. Ça me fera pas faire le saut. Ok, c'est parti. Et go! Niaou. Ok. Hop là. Ok, prochain saut, il a pas l'air de prendre beaucoup, hein. Vous voyez sur la barre de carburant là, la zone bleue, c'est ce que ça me consomme pour le saut justement à faire. Donc là, ça a l'air d'aller. Bon, hop, je passe à côté de l'étoile. Ok, non, ça va, je l'ai laissé derrière moi parce que il faut aller par là. Hop, ouais, elle était juste là. Ok, ouais. Au Bambiva, ça mince. Peut-être qu'en fait, il faut que je retourne en arrière. Mais bon, pas grave. Ok, c'est parti. Ce saut, il va pas coûter cher. On verra le prochain. Mais je pense que dans le prochain, on essaiera de se trouver une petite station pour rechoper du carburant. Et go, encore une fois, vloup! Nion. Nion. Et hop là, ok. Ok, ouais, il faut retourner à Malok, c'est bien ça. Ouh. Ouais, apparemment là, ça a presque fait bugger mon truc de carburant parce que. Ou alors c'est que ça veut dire que ça va tout me prendre. Donc on va peut-être essayer de trouver quelque chose ici. Peut-être essayer de trouver quelque chose ici. Fais voir la carte du système. Une petite station pas très loin. On va choper celle-là. On va choper celle-là et se remettre du carburant. Hop, merci beaucoup. Hop, il faut tourner par là. Ok, ouais, c'est ici. Galouillet terminal. Hop, voilà. J'ai la vitesse déjà dans le bleu. On peut y aller. Tiens, je sais pas si c'est le vrai hologramme de la station, mais ça a l'air quand même pas mal. Ça a l'air pas mal. Hop. Oulala. Hop.
Ça va, on n'arrive pas trop vite. Oulala, oulala, oulala. Ouh, t'adapte la vitesse. Ok, ça va. Ça va, ça décélère beaucoup. Ok, parfait. Oh, il y a un joli monde. J'ai l'impression que c'est... Ouais, il y a de l'eau là-dessus. Ça, c'est peut-être à bonne distance. Purée, par contre, il faudrait que je regarde c'est quoi le bouton pour... Hop, là, c'est ici, là. Oout. Il va y avoir pas mal de trucs que j'ai pas découvert justement. Bon, là, je suis pas vraiment en mode exploration et identification de planète, donc c'est pas non plus super grave. Mais bon, ça pourrait me rapporter pas mal de crédits de justement faire en sorte de d'analyser les machins. Mais bon, pas grave. Et hop. Hop là, désactive. Ouh. Ok, ouais. Ça a l'air d'être... Ouais, c'est vraiment ça. C'est bien fidèle à l'hologramme. Parfait. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Hop. Alors, demande à pontage. Tip, tip, hop. Ah, ok. Ouais, désolé, désolé. Il faut que je me rapproche. Il faut que je me rapproche au moins à... Combien elle a dit 7 kilomètres. Ouais, je pense que là, normalement, ça devrait aller. Hop. Et bon, maintenant, madame. Hop. Ok. La plateforme 29. Ok, bon, déjà... Déjà, hop, on va essayer de bien se mettre la barre. Oh purée, ça va encore être de l'acrobatie spatiale. Et hop. Et hop, essayer de trouver l'entrée. Ok, on va voir si je suis toujours bon à ça. Hop, on adapte la vitesse. Ok, l'entrée est ici. Ok, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va pas aller, ça va pas aller. Hop, on réduit encore. Oh, bonjour monsieur. Hop, attention au câble. Ouais, ouais. Hop. Et hop là. Oh, c'est joli à l'intérieur. Hop, ok, 29. Yeah. Ok. Ma place de parking est là-bas. Oh. Attendez, hop, on a encore 8 minutes pour... Hein. J'ai le temps d'apprécier un peu le truc. Oh, d'accord. Ouais, doit y avoir une très bonne gravité parce que... Ou alors c'est un dôme ou je sais pas quoi, mais... Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. En tout cas, l'eau, elle est très bien accrochée sur cette partie. Hein. Je veux dire, là, on a l'air d'avoir la tête à l'envers. L'eau, elle est bien cantonnée dans son machin. Donc, il doit y avoir un bon système de confinement. Ou une très bonne gravité. Ok. Ok, merci. Hop. Je réduis. Hop, le système de train d'atterrissage. Hop, j'arrive. Hop. Hop. Ok. Essayons de viser bien. Et hop, on essaie de... Hop là, ok. Non, un petit peu haut. Un petit peu, hop. Ok.
Mais maintenant, hop là. Ok, ça va. Tout s'est bien passé. Ouais, merci à vous. Alors, service s'il vous plaît. Hop là, alors, bonjour commandant Lerastragos et bienvenue à bord de la station Galouillé Terminal. Notre économie n'a jamais été en aussi bonne santé, commandant. Vous ne pourriez rêver mieux pour faire du commerce. Ok, ouais, moi après, c'est pas pour le commerce que j'en suis. Ah, marché tourisme. Je vais voir un peu ce qu'on y trouve. Ok, non, c'est des trucs qu'on peut vendre. Ouais, non, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de demandes, apparemment, pour ce qui est des métaux, tout ça. Carburant à base d'hydrogène, d'accord, ouais, mais ils n'ont pas beaucoup de trucs à vendre, ceux-là. Hein. Hop. De toute façon, moi, je suis là pour faire le plein, merci, à réparer tout. Ok, j'ai subi quelques dégâts, apparemment, mais bon, allez, 10 crédits, hein, vas-y. Ok, c'est tout bon. Je vais quand même en profiter pour revoir au niveau des options. Ok, bon, on a fait le plein. Donc, hop, on va pouvoir reprendre notre petit itinéraire. Ouais, il va falloir refaire. Ok, je sais pas si là, le truc en très plein, en orange, ça me dit justement jusqu'où je peux aller avec mon carburant. Et après, justement, ouais. Ah, il va falloir faire quand même pas mal de trucs, hein. Ok, bon, on peut redécoller en tout cas. Hop. Allez, vas-y. On a un long chemin à faire. Il y a des statues et tout en mode lol. Ok, on y va. Hop. Et on met les gaz. Hop, on va pas trop vite non plus, on retire, hop, voilà, ouh, doucement, et, ouh, hop là, voilà, j'ai failli me taper la tête, et voilà, ouais, et là, c'est la planète autour de laquelle orbite la station. Ok, bon. Hop là. Hop, on s'éloigne du champ. Ok, parfait. Hop. 2 secondes, je regarde vite fait si la planète, je la voyais. Hop, carte du système, s'il te plaît. Ah oui, ouais, Ah ok, ouais, c'est un système de 2, ok, ouais, donc c'était celle-là. C'est Ombambivas 2, monde tellurique, d'accord. Et ça dit, abrite des formes de vie indigènes et son atmosphère est respirable pour un être humain, bien qu'elle soit loin d'avoir atteint un équilibre chimique. Ce monde a été terraformé, ok. Vivement le jour où on pourra s'y poser dessus, ça pourrait être cool. Ok. Bon, maintenant... Où est mon itinéraire? Où est mon itinéraire? Hop, vas-y. Et... Hop, ok. Ashima, Ah non, mais oui, mais... C'est pas vraiment ça que je voulais faire. Hop, itinéraire, voilà. Normalement, c'est bon. Et... Maloc, où est Maloc? Ok, voilà. Ok, est-ce qu'on voit la station de là? Non, on voit pas la station, dommage. Bon, ben tant pis, au revoir la station. Et c'est parti. En avant. Ah, merci. Choose Galouillé Terminal. Oui! Hop là, et recoucou système Maloc, mais je reste pas très longtemps.
Hop, on s'éloigne du soleil. Ok, le prochain saut vers Toerni ne me coûtera pas beaucoup de carburant. Sahuha l'asta. Et c'est parti. Ah, préparation au saut vers type spectral, naine rouge. Une situation et sort économique, ok. Tiens, j'avais pas vu que ça me donnait justement des petites indications à ce niveau. Pourquoi j'ai un attention là? Wow! Ah, alors là, le prochain saut, il risque de me coûter pas mal. Hop, ok, c'est Alray secteur IHV. Hop, préparation, ok, encore un type spectral naine rouge, M, ok. Et youp. Hop, ok, le prochain saut, ouais, je pense que... Je pense que ça sera ça. Il faudra que je retourne une station au prochain saut parce que sinon ça risque de pas le faire. Oh. Hop là. Ok. Ouais non, je pensais qu'il y avait l'étoile à côté. Ok, bon, on peut y aller. Hop. Ok. Alray secteur, c'est pas la même chose. Où est-ce qu'on est là? Ok, non, là on était à B2-2 et là on va à B2-1, d'accord. Et fou! Ouais, et là voilà, là j'ai le carburant qui bug, ok. Alors voyons voir ce qu'il y a ici dans ce système. Ok, objet astronomique. Eh. Ok, ouais, non, j'ai... Soit il y a la touche qui bug, soit il faudra que je fasse en sorte de mettre une nouvelle touche pour mon bidule qui me permet de... Qui me permet de découvrir les planètes parce que sinon ça va pas le faire. Alors, 21 sauts vers Hashima. Ok, j'aurais peut-être dû regarder ça également pour avoir un peu plus de renseignements à ce niveau. Alors, fais voir la carte du système. Ah, Mains. Ouais, j'aurais vraiment besoin de mon bidule là pour essayer de découvrir des trucs. Il va falloir que je regarde dans les options là. Là, c'est parce que ok. Ok, ça avait été enlevé apparemment. Oh, on avait peut-être touché à des trucs qu'il aurait pas fallu toucher. Hop, si je fais ça. Ok, ouais, voilà. Bon, bien sûr, il va falloir que je me remette en vitesse de croisière. Mais où purée qui fait noir ici. Hop. Vas-y, remets-moi un truc de croisière. Et au moins, quand je ferai ça, j'aurai plus les armes. Dites-moi qu'il y a une petite station ici. Hop, voilà, détecteur, merci. Ok, nouvel objet astronomique découvert. Ça, par contre, c'est... C'est pas super, ça, monsieur. Au pire, il va falloir que je tente le tout pour le tout. Fais voir le prochain système. Peut-être que le prochain système, il y a de quoi me... Hop. Vas-y, fais voir. Oh mince. Oh zut.
Aucune donnée disponible. Fais chier. Non, il n'a aucun truc. Et si jamais il revenait ici, s'il fait voir. Non, ici, il n'y a rien du tout également. Fais voir, on est ici, hein. On va voir, on va voir. On va tenter. Ok, anarchie. Pourquoi vous me demandez des trucs d'annuler et tout? J'ai peur, moi, monsieur. Hop. Go. Ouais. Au carburant, je pourrais pas faire un autre saut, en tout cas. Hop là. Voir si je détecte des trucs. Ok. Alors, rien découvert, mais un nouvel objet astronomique découvert. Fais voir. Non, pas comme ça. Hop. Allez, dis-moi qu'il y a... Oh, il y a peut-être des stations. Ouh, oui, il y a des stations. Par contre, ouais. Ok, il va falloir aller... Pardon? C'est celle-là, moi, que je veux aller. Voilà, merci. La plus proche. Point d'arrivée 109. 109-70. C'est peut-être celle-là, la plus proche actuellement. Ouais, c'est peut-être celle-là. Bon, on va mettre celle-là dans ce cas. Hop. Dis-moi que c'est pas super loin. Hop. Ouais. Ok, on y va. C'est sûr qu'il me faudrait le système où je peux recharger le carburant avec... Avec la puissance des étoiles, parce qu'il y a des modules comme ça où justement on peut recharger le carburant, un peu style des panneaux solaires ou un truc comme ça. Ouais, bon, pour arriver jusqu'à ce deuxième soleil, il va falloir un petit temps. J'espère juste que mon carburant tiendra le coup. Une demi-heure plus tard. Aïe, ça va pas de good. Il reste 5 minutes, s'il te plaît, le vaisseau. Alors tiens bon, s'il te plaît. Je crois que j'ai attaqué ma réserve. Oh bon sang. Ouais, je pense que la prochaine fois, il faudra que j'aille très vite remettre du carburant avant de... Avant de faire d'autres sauts, même si justement j'en ai encore assez, parce que il suffit que je tombe dans un système pas très civilisé comme les deux qu'on vient de choper, et je suis foutu. Par contre, ça, vous voyez, c'est pas cool. Je me demande ce qui se passe si jamais justement je tombe en panne d'essence. Est-ce que genre je peux faire en sorte de recommencer à une station que j'étais avant, ou alors est-ce que... Ouais, je pense que ça va être un truc comme ça, parce que ça m'étonnerait qu'ils laissent les joueurs errer dans l'espace comme ça, sans essence. En tout cas, ça fait la deuxième fois hein, que je me fais avoir un peu comme ça. Ok, il y a moyen qu'il y ait assez dans la réserve pour arriver jusqu'à la Kingsmill Refinery. Ouais, ça... Ça descend plutôt lentement. Il reste 2 minutes 30. Je pense qu'il va y avoir un pépin. Ouais, je pense qu'il va y avoir un pépin. J'essaie de pousser à fond, mais... Aïe. J'ai fait le noob. Oh purée. Sérieusement. Oh purée. Ouh loulou, réacteur désactivé. Oh purée.
Ok. Ah, oxygène épuisé dans... Oh là là. RIP. Ah, module désactivé. Nia 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 nia. Oh mon dieu. Ok, bon ben... Y a pas moyen là de... Non, je pense qu'il va falloir que... Je me laisse mourir. Ouais, parce que là, y a rien du tout. Oh purée, fait chier. Tomber sur des systèmes sans... Sans truc à proximité, c'est n'importe quoi. Bon ben ouais, bon ben je pense qu'on va voir ce qui va se passer quand je vais mourir, mais ça me fera... J'espère repop pas trop loin. Ah ouais, oulala. Il y a même le chauffage qui s'est désactivé, c'est en train de... C'est en train de geler. Et mon mec, il est tout tranquille, il va regarder, ouais bon. Il va falloir attendre. On y était presque, c'est n'importe quoi. Espace! Ah, ok. Ouh, ok. Ok, ça a carrément explosé. Ok. C'est quand même... Je trouve que c'est quand même un peu... Oh, vas-y, c'est quand même un peu chiant de... Hein, galouiller. Oh, ouais. Ouais, très vite. Ouais. Ouais, non, je préfère ici. Hop. C'est quand même assez sadique de d'attendre 5 minutes et d'entendre son personnage agoniser du manque d'oxygène, mais bon, écoutez. Ben voilà. Ok, on fait voir où. Ouais, bon, de toute façon. On est de retour ici. Ah, ouais, on bat machin, ouais. Zut. Comment ça? Je sais pas s'il sait que je me suis fait avoir, mais bon, de toute façon, il faudra que je lui dise. Ouais, bon. Ok, il faudrait que je fasse attention, donc. Ouais, mais de toute façon, il va falloir que je fasse ça, que je retourne à ma loc. De Ernie, ouais. Zut, c'est dommage que je suis revenu ici. Je savais pas justement que ça allait me faire retourner. Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, il faudrait que je fasse plus attention là. Hein. Il faudra pas que je me fasse encore avoir comme ça parce que là, c'est une erreur de débutant. Je pensais qu'on aurait le temps et que ce serait genre purée, j'ai trop de la chance et tout. Je suis arrivé à choper le truc avant qu'on soit en manque de carburant, mais bon. Malheureusement, ça a pas passé. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Ok. Bon, donc il faudra qu'on refasse ça. Ouais, Galouille et Terminal, c'est bien ça. C'est le dernier où je me suis arrêté justement pour refaire le plein. Bon. Ok, bon. C'était très moche, si on peut dire. Hein. Ça aurait été cool que je me fasse pas avoir par ça, mais bon. Le voyage se serait passé tranquille ou je pense que ça l'aurait pas fait non plus. Je pense qu'on aurait commencé à se poser des questions, mais bon. Voilà ce qui peut arriver en tout cas dans l'espace, tout ça, si jamais on tombe sur des systèmes inhabités. C'est n'importe quoi. Allez, merci à tous les amis d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous appréciez ce que je fais. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao!